balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es qu'un nyonso biloko ya ya wali ni yoko mwore oni dinde ko la yo a sali sa yote bona korea na yo moko ma bonde la yo bona mtoto na yo moko ya elei moko ma bonde la yo balobi bio bio Africa Union et quand t'es qu'un tout à quoi n'a pas si moi si non voye pas ya dino voye ya ni Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, je reçois le porte-parole de la Mouka, de la coordination, je vais dire de la Mouka, un cadre aussi du parti proche à Mozuto. Il est avec nous, Steve Kivuata, avocat, analyste politique, défenseur de droits humains et des libertés fondamentales. On en parle tout de suite en face à face. La question, c'est l'actualité. On va essayer un peu de parler, de lire la loi, de l'interpréter. Je rappelle qu'il est invité et moi, je ne fais que poser des questions. Steve Kivuata, bonjour. Bonjour. Vous me faites un honneur de passer dans mon émission. Ça va faire plus d'un an. Vous n'êtes plus passé. Je me posais la question, est-ce qu'on était sous embargo? Et là, je me rends compte quand même qu'on n'était pas sous embargo. Ou peut-être l'embargo était levé, tout simplement. Non, mais je pense que d'habitude, vous me faites l'honneur de m'inviter de temps à autre. Et je réponds à l'invitation. Moi, je me suis posé la question si vous êtes tellement fatigué que... première attaque. Étant anti-fachi, ou disons au moins anti-illégitimité des institutions, vous aviez pensé me mettre de côté. Je vous définis beaucoup plus pour le premier. Anti-fachi, je crois que vous vous définissez mieux d'ailleurs. Non, je pense que anti-illégitimité des institutions, et M. Félix Tshisekedi dit aujourd'hui, comme président illégitime, il incarne cette illégitimité. C'est de ce fait-là que je me définis un peu anti-fachi. Ah, d'accord. Mais M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime quand il était encore de l'opposition. Et à un certain moment, il y avait... Vous voulez dire quand il était président de votre président aujourd'hui? Quand il était président de votre président. Quand il était président de l'UDPS. Mais il était président d'une corporation où Kalamouka, où Fayulu était dedans. Il était président de Fayulu. Non, je ne sais pas de quoi vous parler. Non, non, je pense que moi, je suis plus avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, le président Martin Fayulu, c'est lui le candidat commun de la Mouka, le candidat d'ailleurs choisi par M. Félix Tshisekedi, que M. Félix Tshisekedi considérait comme celui qui incarne le changement. Vous savez, à Genève, il a dit « le changement, c'est Martin Fayulu ». Et aujourd'hui, on ne lui donne pas tort, parce que finalement, il avait dit à l'époque que « ma base me pousse finalement à aller à l'encontre de la décision que je prise ». Et en faisant ainsi, il risque de favoriser la continuité de la Kabylie. Il l'a dit à Genève. Et aujourd'hui, nous assistons effectivement à la continuité de la Kabylie parce que M. Félix Tshisekedi fait tout le mal que M. Kabila a fait. D'ailleurs, c'est ça leur référence. À chaque fois qu'ils font un mal, ils disent « Kabila l'a fait ». Kabila a glissé, nous allons glisser. Kabila a violé la Constitution, nous violons la Constitution. Voilà la fameuse continuité qu'il a déjà prédite à Genève. Ce qui est bien quand même dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des propos qui reviennent. Je vous, votre camp politique, Mike Mukebai a dit à tout le monde que
C'est lui, le traître, c'était pas Fatshi, mais c'était plutôt Lamouka, c'était plutôt Martin Fayoulou. Alors, je comprends pas, vous faites une sélection, vous dites non, ça je ne prends pas, mais vous acceptez de prendre quand même ce que vous voulez prendre. Et dans ce que vous dites, par exemple, qu'il n'y a pas, il y a continuité, on viole quand on viole, vous n'énumérez pas les arrestations, ce qui n'a pas été le cas chez Kabila. Vous n'énumérez pas le respect de certains textes, les respects de la liberté d'expression, de beaucoup d'autres choses qui sont faites aujourd'hui, qui n'étaient pas dans le cas. Vous êtes avocat, vous avez vu la transformation dans l'ANR qui n'a pas été dans le cas, mais ça, vous faites une sélection de ne voir ce que vous voulez voir. Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez parce que vous avez tellement dit de choses. Aujourd'hui, j'entends parler de l'outrage au chef de l'État comme j'en ai jamais entendu sous Joseph Kabila. C'est vrai. Aujourd'hui, je vois plusieurs violations de droits de l'homme. Et l'ancien gouverneur qui était arrêté, c'était pourquoi ? De toutes les façons, aujourd'hui, je ne vois pas de grande différence. Aujourd'hui, le peuple souffre. Aujourd'hui, il y a cette armée étrangère qui occupe le sol congolais. Aujourd'hui, il y a le taux de dollar qui grimpe à plus de 20 000 francs. Aujourd'hui, il y a un budget qui est inexistant. Il s'agit de combien ? 11 milliards ? 5,5 milliards ? 3,5 milliards ? 3,5 milliards, ça risque d'être cela, la réalisation budgétaire sous Félix Tshisekedi. Savez-vous qui a laissé 3,5 milliards de dollars de budget ? C'est Adolphe Mouzito en 2012. Ah, vous aimez bien les citer, hein ? Il y a 8 ans. Non, non, ce sont de faits. Vous aimez bien les citer ? Non, ce sont de faits. Ouais. Avec les chiffres, on ne ment pas. On peut faire dire aux chiffres n'importe quoi et non, tout ce que vous voulez. Je parle de 3,5 milliards de dollars comme budget en ressources propres. Allez vérifier, vous viendrez me contredire. Et aujourd'hui, tel que le budget est réalisé, nous risquerons effectivement de n'atteindre que 3,5 milliards de dollars de budget. Est-ce que vous ne faites pas des coqs à l'âne, finalement ? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on parle de tout à la fois. Je voudrais revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux ici, c'est que votre jugement, d'abord, par rapport à l'action du gouvernement, parce que vous mélangez, en fait, je ne vais pas dire que vous mélangez, mais il y a un mélange dans ce que vous dites. Le président de la République, dans un système comme le nôtre, quelle est sa responsabilité ? Quelle est la responsabilité du gouvernement ? Je crois que vous devez dire ça aux auditeurs, aux téléspectateurs ou aux internautes. Sinon, on mélange tout. On ne mélange pas tout. Allez-y. On posait la question du changement. Oui. Je vous ai dit, il n'y a pas de changement, c'est la continuité dans tout le domaine. Oui. Et maintenant, vous me posez la question de la responsabilité du président de la République dans un régime semi-présidentiel. Je voudrais vous rassurer que je suis très bien placé pour en parler parce que en troisième année de droit, j'ai traité du régime semi-présidentiel congolais. Si vous faites un régime qu'on a pu adopter de la France, c'est vrai, en Allemagne aussi, on a pu appliquer le même régime politique, constitutionnellement parlant, juridiquement parlant, la compétence en termes de gouvernance est confiée au Premier ministre. C'est ça le principe. Mais il se fait que dans une lecture politique, le président de la République à qui on confie la fonction, la compétence de présider le Conseil des ministres, le président de la République qui, lorsqu'il a une liste de la majorité au Parlement, que ce soit sa majorité au niveau de son parti ou de la coalition, on le voit quand même que le président ne règne pas sans gouverner. Il gouverne. D'ailleurs, en RDC, je ne voudrais pas vous apprendre que M. Félix Tshisekedi veut être un président qui gouverne. C'est lui qui a été le premier à présenter le programme de 100 jours au Parlement debout de la 18e rue. Ce programme de 100 jours qui a aujourd'hui emporté son allié qui est en prison. Monsieur Félix Tshisekedi venait encore de présenter un autre programme en violation de la Constitution au Grand Hôtel, programme multisectoriel de lutte contre les impacts de Covid-19. Pendant que, constitutionnellement parlant, c'est le Premier ministre qui doit présenter le programme devant le Parlement. Non, mais c'est M. Félix Tshisekedi qui est... Je ne vois pas les liens. Qui est toujours... Je suis totalement perdu, je ne vois pas les liens. Vous interdisez à un chef d'État de parler d'un programme, vous le lui refusez ça ? Non, mais... Je suis perdu. Mais non, on a posé le principe. Oui. On vous a dit qu'en principe, dans un régime semi-présidentiel, le président ne devrait pas gouverner, c'est le Premier ministre. Oui, mais gouverner, présenter le programme, je ne vois pas non, le lien. Non, mais effectivement, vous voulez qu'on lise la Constitution ? Ben, allez-y. Que l'on vous montre que l'article 149 nous dit... Vous avez la Constitution ? Si, je l'ai. Oui. 149, vous dites ? 149, okay. C'est le pouvoir judiciaire qui est indépendant. Non, non, attendez, je vous sors... l'article en matière de présentant, c'est 146. Ouais, 146, on est là. Voilà.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil de ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Et par après, oui. On vous parle de quand est-ce que le programme peut être adopté. Mais ici, ce n'est ni à l'Assemblée nationale, ce n'est ni devant les élus. C'est le président de la République qui discute dans une assemblée avec les gens. Rien à voir avec les députés. Mais non, mais, alors pourquoi mais, vous voulez lui refuser? Il n'engage pas, pas le gouvernement. Je ne sais pas si vous pouvez être autant fatiste à ce point. Oh là là, oh là là. Non, oh là là. Je vous dis ceci. Non, je vous dis ceci. Il n'y a pas de fatisme non, ici. Des questions, non, je vous répondez. Oui, laissez-moi. Je ne suis pas mal à l'aise. Je vous dis, non, ouais. Je ne suis pas mal à l'aise. Allez. Je vous dis qu'un programme, pour que ça soit exécuté, ça doit être présenté par un Premier ministre devant un Parlement qui l'adopte avant que ça entre en exécution. Le premier programme de M. Félix Tshisekedi, le programme de 100 jours, il a présenté à la rue. Et ça a été exécuté en violation de la Constitution. Ça a même emporté son allié. Qui était le Premier ministre à l'époque? Parce que qui était le Premier ministre, c'était Tshibala. Mais comment Tshibala va présenter un gouvernement, va présenter un programme alors qu'il est un Premier ministre partant? Sortant. Mais je ne comprends plus rien. Non, malheureusement, vous ne voulez pas comprendre, voilà. Et je vous comprends. Quand vous avez un Premier ministre qui est démissionnaire, ça veut dire que vous devez attendre qu'il y ait un Premier ministre en pleine fonction pour présenter un programme. Vous êtes dans un moment où vous ne pouvez pas vous transformer en Premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Deuxième chose, aujourd'hui, on a déjà un programme présenté par Ilunga Ilukamba. Oui. Quand il y a la COVID-19 et que vous estimez qu'il y a des actions à modifier dans le programme, c'est le Premier ministre qui modifie le dit programme et qui rentre au Parlement pour le présenter. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui doit présenter le programme parce que c'est ce qu'il a fait au Grand Hôtel et commencer à mobiliser le recette pour ce programme. Parce qu'il s'agit d'un programme de 2 milliards. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce programme. Non, le problème, c'est que vous présentez très mal la chose. Déjà, sur tout le plan, vous présentez très, très, très mal la chose. Ça, c'est votre, c'est votre idée. Si, si. Je vous donne un cas. Est-ce que c'est parce qu'un Premier ministre est sortant que le pays s'arrête, qu'il n'y a aucun plan qui s'exécute, qu'il n'y a aucun programme qui est exécuté? Ou alors on mélange le programme du gouvernement et les programmes de fonctionnalités d'une république. Nous avons le cas de... C'est quoi la différence entre le programme du gouvernement et le programme de... Nous avons le cas de la Belgique. Comment la Belgique fonctionne aujourd'hui? Pourriez-vous nous dire comment la Belgique fonctionne quand il n'y a pas de gouvernement? Comment il fonctionne? Comment le plan fonctionne? Je vois que vous avez beaucoup de confusion et je vais vous expliquer. D'abord, la Belgique et la RDC, nous n'avons pas le même régime politique. Ils sont dans un régime parlementaire. Et le principe est que eux, ils sont dans un régime parlementaire, ils ont un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Et d'où le débat, effectivement, de la nature des affaires courantes. Qu'est-ce qui est affaire courante, qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous savez, Non, mais vous ne voulez pas comprendre. Ah ben, Vous ne voulez pas comprendre. Je vais vous expliquer. Non, c'est vous qui comprenez mal. Allez-y alors. Parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas un gouvernement qui est légitime, qui dispose d'un véritable mandat, ce gouvernement est appelé à expédier les affaires courantes. Vous savez que la première ministre intérimaire qui est venue ici, en RDC, on a pensé signer des accords avec elle. Quand elle est retournée en Belgique, on lui a dit non, vous expédiez les affaires courantes, vous ne pouvez plus engager la Belgique. Et ici, vous dites que M. Félix Tshisekedi entre. On est dans une situation où il trouve qu'il y a un gouvernement qui n'expédie même pas les affaires courantes. À l'époque. Parce que expédier les affaires courantes supposait que M. Tshibala démissionne. M. Tshibala a démissionné quand on a eu à désigner Ilunga Ilukamba. C'est en ce moment-là qu'il a démissionné. Donc, le gouvernement Tshibala était en pleine fonction. Alors, mais vous avez tellement de contradictions. C'est Lamouka. C'est Lamouka qui rappelait constamment que le Premier ministre a longtemps duré, que le Premier ministre n'est plus légitime, qu'il faut qu'il parte, il est démissionnaire, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela. Et aujourd'hui, on est devant vous, vous dites non, il était dans le droit. Non, non, je vois que vous voulez entrer dans la confusion. Mais ça sera toujours ça, votre mot. Non, donnez-moi le temps de répondre parce que je sens qu'il y a de la confusion. Non, je vous donne toujours le temps de répondre. C'est que moi, je dis que M. Félix Tshisekedi a violé la Constitution parce qu'il ne lui appartenait pas de présenter un programme de 100 jours
et devant un parlement debout, c'est-à-dire à l'extérieur, à la rue. Et à l'époque, je vous dis que Tshibala était un premier ministre en fonction. Il n'expédiait pas les affaires courantes. Le fait qu'on ait réclamé que vous aviez mis trop de temps, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi avec son camp, ça ne donnait pas à M. Félix Tshisekedi le droit d'ignorer M. Tshibala. C'est-à-dire, non, laissez-moi si, expliquer parce que je sens que vous avez une position déjà fixée. Oh là là, vous avez de la confusion. Non, je vais vous expliquer que la contradiction vient du camp de M. Félix Tshisekedi. Okay. Il ignore M. Tshibala quand il s'agit de présenter le programme de 100 jours. Il ignore le gouvernement Tshibala quand il s'agissait d'exécuter le programme de 100 jours. Je pense que vous avez suivi le procès. Comment est-ce que le comité de suivi de 100 jours a remplacé le gouvernement Tshibala qui a été complètement asphyxié du fait d'ailleurs d'une décision de M. Vital Kamerhe à l'époque qui interdisait au gouvernement d'engager de dépenses et même de fonctionner. Mais ce qui est contradictoire avec vous, la confusion avec M. Fati, parce que vous défendez ce camp, c'est que le même M. Tshibala. Mais vous n'allez pas vous égostiller sur la question. Non, non, laissez-moi terminer. Mais voyez-moi, votre adversaire politique. Non, non, parce que je suis journaliste, je pose des questions. Non, je le sens dans les arguments. Vous êtes libre d'être failliste, moi je pose des questions. Non, je répondez, ne cherchez pas des raccourcis. Je suis de la Mouka. En fait, la contradiction vient du fait que vous ignorez M. Tshibala quand il s'agit de présenter le programme de 100 jours, mais vous recourez à son contre-saint primo-ministériel quand il faut contresigner des ordonnances nommant de mandataires à la GECAMINE, à la SNCC. Donc le même Premier ministre, quand il n'avait pas encore démissionné, on dit non, mais M. Tshibala, il fait partie du gouvernement de Kabila, il ne va pas travailler. Mais quand il démissionne comme Premier ministre, quand vous avez nommé Ilunga Ilukamba, on recourt à son contre-saint pour nommer le mandataire à la GECAMINE. C'est ça la confusion. Alors, je voudrais d'abord corriger. Et quand vous dites « vous », je ne sais pas de qui vous parlez exactement. Non, je parle de votre camp politique. Non, y a pas de mais j'ose croire que vous n'êtes plus fasciste. Non, non, donc, je parle de monsieur Félix Tshisekedi. Vous répondez. C'est tout simplement. Ne soyez pas mal à l'aise quand vous répondez. Non, parce que ce sont vos arguments. Je sens que ce sont vos arguments. Ce n'est plus des questions, ce sont vos convictions. Je vous oppose des réflexions, pas les miennes. Je vous oppose des réflexions d'un camp politique contraire au vôtre. Effectivement. Alors c'est à vous de me dire si c'est bon ou pas bon. Ne voyez pas un fasciste en moi. Et je pense vous avoir donné suffisamment d'arguments. Non, non, oui, ce sont vos arguments à vous. Quelqu'un d'autre pourra donner un autre argument. Ah, je suis ouvert au débat. Très bien. Au moins avec contraire fasciste parce que vous ne l'êtes pas. Non, non, je ne suis pas fasciste. Je ne le serai pas, malheureusement. Okay. D'accord. Alors, on revient sur une question aussi claire de la Mouka, de votre fonctionnement de la Mouka. Est-ce que la Mouka a une cellule de communication qui réfléchit communication et qui donne les mots, les termes des références, parce qu'on a comme l'impression, que tout le monde dit ce qu'il pense dans la Mouka, et puis après il y a des représailles qui viennent après. La Mouka est la plateforme politique la mieux organisée. Au sommet, nous avons un présidium où siègent les quatre leaders de la Mouka. Et juste après, il y a la cellule politique, composé de deux délégués de chaque leader, et j'en fais partie. Je suis même rapporteur de cette cellule politique. Et le troisième organe, c'est les secrétariats techniques, qui est un peu l'organe qui accompagne le coordonnateur en fonction de la Mouka. Eh bien, à la Mouka, il y a des communicants, il y a ceux qui viennent soutenir le combat. Et nous pensons que dans la Mouka, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'action. À la Mouka, nous ne prenons pas les gens en otage. Ceux qui veulent être débauchés le sont. Il y a même eu de grands leaders qui ont quitté la Mouka parce qu'ils ont passé soit lutter contre Ebola, soit aller à la BAD, soit encore aller être allié pour devenir Premier ministre, mais finalement, ils sont finis en prison. Donc, tout ça, il y a sang dans la Mouka. J'ai l'impression que quand les gens quittent la Mouka, ils sont tout de suite des diables. Quand ils sont dans la Mouka, c'est tout de suite des anges. Je n'ai diabolisé personne. Mais si, vous avez loué le diplôme du professeur Matungulu. Aujourd'hui, vous dites qu'il a couru après la BAD. C'est de lui que vous parlez. Vous avez parlé... Je n'ai pas dit couru avec la BAD. J'ai dit il est allé à la BAD. Non, d'accord. C'est vos termes, vous. Vous avez dit ici que Boussa Nyamoussi, c'était un grand leader de l'Est de la République. C'était un fédérateur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est parti pour Ebola. Il l'a dit lui-même. Oui, mais justement, c'est ce que vous dites. C'est pas diabolisé. Non, non, je ne le dis pas.
pas que vous diabolisez. Je dis pour vous, la Mouka, quand les gens quittent la Mouka, c'est soit des gens qui sont malades, ils ont des problèmes. Je l'ai pas dit. Et vous qui restez dans la Mouka, vous êtes des gens bien, quoi. Non, non, je l'ai pas dit. Ça, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Ou vous refusez de dire. J'ai dit, assumez quand même ça. J'ai dit, il y a un qui a dit qu'il allait lutter contre Ebola. Il l'a dit lui-même. Il y a un autre qui allait à la BAD. Oui. Un autre encore qui a pensé devenir Premier ministre, il est en prison aujourd'hui. Je ne vois pas diaboliser, ça serait quoi? Alors, mais vous qui restez dans la Mouka, on a comme l'impression que vous parlez, vous dites une chose, c'est son contraire. Je vous tiens, je vous sors un discours de votre confrère, avocat Blanchard Mongomba, qui est aussi communicateur, je crois, de la Mouka. Je peux me tromper, vous pouvez me corriger. Il dit lors de l'ordonnance controversée du président de la République que c'était une très bonne chose et que la Mouka attendait un peu plus. C'est lui qui a dit. Il dit, c'est une bonne chose au début, mais on attend un peu plus. Et curieusement, vous revenez aujourd'hui, vous dites, non, c'est des ordonnances illégales. Alors, on se pose la question, est-ce que vous avez un comité, est-ce que vous avez une commission qui réfléchit d'abord avant de vous lancer dans l'exercice de médias, parce que vous aimez beaucoup les médias aussi, ou alors vous attendez que, que ça retourne mal, puis que vous puissiez revenir après? Non, bon, je ne sais pas, c'est que mon ami Maître Blanchard... Ça ne m'étonne pas, vous ne le saurez toujours pas. A pu dire, non, mais moi, je reste dans le principe. C'est ça le problème avec votre question, parce que je ne voudrais pas dire votre camp. Ça ne me gêne pas, en tout cas. Non, non. Le problème est que vous pensez que ce pays, on doit faire des débats des individus. Non, nous pensons qu'il faut faire des débats de principe. Ici, les ordonnances de M. Félix Tshisekedi ont violé la Constitution. Sans le prouver. Le débat, plutôt, devait se poser sur le fait... Est-ce qu'il a violé intentionnellement la Constitution ou pas? Moi, je vous demande qu'on lise les articles parce qu'il s'agit pas... L'article 158 de la Constitution, allons directement... Et quand on va lire l'article 158 de la Constitution, on va se rendre compte que ça dit autre chose que ce que vous allez dire. Non, non. Comme l'interprétation que vous allez donner tout à l'heure. Non, non. Non, mais ça ne dépend que de votre camp politique ou de votre camp journalistique. Mais je vois que c'est plus un camp politique qu'un camp journalistique. Oui, comme vous, un peu vous, quoi. Vous défendez un mordicus. Un camp qui perd la raison. Non, au fait, l'article 158, je voudrais aller directement à l'alinéa 3. Oui. Dit les mandats de membres de la Cour constitutionnelle et des 9 ans non renouvelables. Oui. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Oui. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Oui. Voilà. D'un membre par groupe. En réalité, à la Cour constitutionnelle, on a 9 juges. 3 viennent de l'initiative du président. 3 viennent du Parlement. 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Et chaque 3 ans, on doit faire un tirage au sort dans chaque groupe pour tirer un membre que l'on doit remplacer. Monsieur Félix Tshisekedi a nommé 2 juges à la Cour constitutionnelle qui sont du même groupe, c'est-à-dire le groupe du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Il les nomme sans tirage au sort, sans que ces juges aient fini leur mandat. Et pire encore, l'article 9 de l'ordonnance portant statut de membre de la Cour constitutionnelle, les textes que je vous ai donnés, oui, dit qu'en dehors de l'expiration de mandat, vous ne pouvez remplacer de juge à la Cour constitutionnelle que si ils démissionnent eux-mêmes, que si ils sont révoqués, que si ils décèdent. Tous ces cas n'ont pas été réunis. Il a nommé 2 autres juges en remplacement de 2 juges qui ont leur mandat valide. C'est en cela que M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution. C'est aussi simple que cela. Pourriez-vous lire l'article 150, sur la alinéa 2, je crois? Ok, oui. Je le connais déjà, vous pouvez d'ailleurs lire pour moi. D'accord, on va lire avec vous. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle, ou à sa demande, ou par rotation motivée, décidée par le conseil de la magistrature. Maître Steve, pourriez-vous regarder les téléspectateurs et dire aux téléspectateurs où est-ce que la loi a été violée? Parce que vous parlez en principe, vous voulez parler de l'inamovibilité du juge.
Mais ici, je vous évoque une situation tout à fait simple et claire. Mm-hmm. Il s'agit d'une nomination nouvelle. Mm-hmm. Alors, et puis une nomination nouvelle qui n'a rien à voir avec le président de la République, mais avec le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, pourquoi vous impliquez le chef de l'État dans une action du Conseil supérieur de la magistrature? C'est une fausseté. Ok. La fausseté de la Constitution? C'est une fausseté, laissez-moi argumenter. Ok, allez-y. On doit savoir respecter le principe dans ce pays. L'article 150 que vous lisez nous parle juste à côté d'ailleurs du statut de magistrat. On doit savoir qu'il y a une loi qui porte statut de magistrat qui est différente de la loi portant statut des membres de la Cour constitutionnelle. Le texte que je vous ai donné, la disposition dont vous parlez, parle de magistrat du siège, de magistrat de carrière. Le juge n'est pas magistrat de carrière. Le juge de la Cour constitutionnelle n'est pas magistrat de carrière. Il se parle. Arrêtons avec ces hérésies. Non, je vais vous parler. Parce que ici, celui qui est compétent, l'organe compétent, pour faire la rotation, pour faire une nomination nouvelle. C'est le Conseil supérieur de la magistrature comme organe de gestion de la carrière de magistrat. Oui. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y, vous parce que temps, je comprends votre confusion. Oh là là. Quatre fois la confusion dans une émission. Non. Je suis en train de vous aider. Je pense que... Vous ne m'aidez pas, vous vous aidez vous-même. Je suis en train de vous aider. Pas du tout. Hein. Je suis en train de vous aider. Non, non, c'est... S'il vous plaît, vous aidez. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Parce qu'effectivement, c'est de la confusion. Le Conseil supérieur de la magistrature est gestionnaire de carrière de magistrat de carrière. Pas de juge de la Cour constitutionnelle qui dispose d'un mandat. En réalité, ils partent en détachement à la Cour constitutionnelle. Et ils ne sont plus gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, du moins en tant que juge de la Cour constitutionnelle. Et là maintenant, en réalité... Le Conseil supérieur de la magistrature est contacté par le président de la République pour son quota au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, tirage au sort chaque 3 ans, c'est une personne par groupe dont le Conseil supérieur de la magistrature ne peut que, sur demande du président de la République, proposer un juge après tirage au sort chaque 3 ans. Il n'a pas ce pouvoir-là sans une demande du président, de lui dire « je vais changer de juge ». Il n'en a pas la compétence. En droit public, la compétence est d'attribution. Mais pourquoi ? Mais le fait que, là où vous n'avez pas tort, c'est le fait que ces juges-là qui ont été changés, ils sont magistrats de carrière. Donc leur carrière pouvait être gérée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc le fait que le Conseil supérieur de la magistrature les ait proposés comme juges à la Cour de cassation, ce n'était pas ça une violation de la Constitution. Ça, c'était conforme à la Constitution. Donc, quand il propose ces deux juges, qu'on puisse le nommer comme juge à la Cour de cassation, et que M. Félix Tshisekedi les a nommés comme juge à la Cour de cassation, là, il n'a pas violé la Constitution. Il faut qu'on se comprenne. Non, mais il y a eu deux ordonnances. On parle mais de effectivement, la... on parle de... Quelle ordonnance a violé la Constitution? On parle... Ce sont les ordonnances, oui. Nommons les deux autres juges en remplacement de Oubou Loué de Kilomba à la Cour constitutionnelle. Ce sont ces ordonnances-là qui ont violé la Constitution. Comment ça, maître Steve? Comment vous allez dire les choses comme ça? Ça, vous ne voulez pas comprendre. Mais finalement, comment vous dites... J'ai encore l'impression que lorsque vous avez du mal à expliquer quelque chose, vous recourez soit à la confusion, soit à vous ne voulez pas comprendre. Non, mais posez-moi la question, je vais vous expliquer. Le temps. Comment pouvez-vous dire une chose en contraire dans une même phrase? Tantôt, c'est conforme à la loi, tantôt, ce n'est pas conforme à la loi. Alors, la question est simple. Est-ce que M. Ouboulou et M. Kilomba sont-ils nommés, leur ordonnance et violent la Constitution? C'est la question non, que je pose. Non. Alors, on parle de quoi? Non. Mais laissez-moi vous expliquer. Parce qu'effectivement, vous devez fournir un effort. Je sais que vous avez des idées déjà conçues. Non, c'est vous. Parce que vous avez du mal à comprendre. Oh là là. Il y a deux types d'ordonnances. Laissez-moi commencer par là pour être pédagogique. Pédagogique par rapport à qui? Aux gens qui nous suivent. Peut-être. Pas moi. Ben oui. Pas ben du oui. tout. Allez-y. Il y a deux types d'ordonnances. Okay. Il y a les ordonnances qui nomment ces deux juges, Oubulu et Kilomba, à la Cour de cassation. Je dis ces ordonnances. C'est là ma question. Ces ordonnances ne posent pas problème. Alors, on passe ça ne viole pas la Constitution. Non, on ne peut pas passer à autre chose.
Parce qu'il y a deux autres ordonnances. Peut-être que les gens ne les ont pas lues. Au même moment, M. Félix Tshisekedi nommait ses deux juges à la Cour de cassation. Par la même occasion, il prenait encore des ordonnances nommant deux autres personnes en remplacement de ses juges à la Cour constitutionnelle. On doit comprendre. Le président peut-il nommer des juges, oui ou non? Il peut nommer des juges à condition qu'il y ait vacance à la Cour constitutionnelle. Soit parce que ces juges-là ont expiré leur mandat, par tirage au sort, soit parce que ces juges-là sont morts, soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont été révoqués. Qu'est-ce fait l'article? Il y a eu vacance, oui ou non? Il n'y a pas eu vacance. Je vais vous expliquer. Combien il y a des juges aujourd'hui, au moment où quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, combien il y avait des juges au niveau de la Cour constitutionnelle? On parle de cas Kadouboulou, je voudrais qu'on... Ça, vous ne répondrez jamais. Hein. Non, vous allez... Non. Vous parce que vous avez répondu à des questions. Non, vous avez posé la question, je vais vous répondre. Allez-y alors, répondez. On prend quel article? Ici, nous traitons du remplacement du juge Kadouboulou et Kilomba à la Cour constitutionnelle, alors qu'ils ont encore leur mandat valide. Non, là, c'est ce que vous voulez répondre. Non, ce n'est pas ma question. Ma question est celle-ci. Elle est claire, ma question. Oui. Est-ce que le président de la République peut-il nommer des juges, oui ou non? Je me rends compte que vous ne voulez pas comprendre. Voilà. Laissez-moi vous expliquer. Alors, à cette année, je ne serai plus vous poser question. Non. Je pense que les téléspectateurs vont vous suivre. Je n'ai pas comme obligation de vous convaincre. Je dois convaincre l'opinion. Non, pas du tout. Vous répondez à mes questions. Et je réponds aux questions, effectivement. Ne vous sentez pas menacé, maître. Non, soyez à l'aise parce que vous m'interrompez un peu trop. Mais là, quand même. Je vois comme si vous êtes frustré, ne soyez pas. C'est vous, je par vous contre. Dis... Non, mais... Bon, reprenons. Voulez-vous répondre à quelle question? Je suis... Parce que j'ai l'impression que mes questions, vous ne les répondez pas. Non, monsieur Bossembe. D'accord. Je suis en train de vous répondre. Ok, allez-y, prenez le temps alors. Je pense que ce n'est pas à vous de qualité de mes réponses. Je vous dis, monsieur Félix Tshisekedi, nomme Kadouboulou et Kilomba sur proposition de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature à la Cour de cassation, il ne viole pas la Constitution. Mmh. En quoi il viole la Constitution? C'est le fait que il remplace Kadouboulou et Kilomba à la Cour constitutionnelle par deux autres juges, leur nom je ne sais pas, c'est une dame et un autre monsieur. Il le remplace par une autre ordonnance pendant que eux n'ont pas fini leur mandat, n'ont pas démissionné, ne sont pas morts, n'ont pas été révoqués. En fait, en le nommant, on doit maintenant faire référence à l'article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Vous avez cette loi. Cette loi, cet article dit, lorsque un juge de la Cour constitutionnelle est nommé à une autre fonction, il se retrouve donc dans un cas d'incompatibilité. Il doit faire un choix. Doit-il rester juge à la Cour constitutionnelle ou aller à la nouvelle fonction? Donc, M. Félix Tshisekedi, en nommant ces deux juges à la Cour de cassation, pendant qu'ils avaient leur mandat valide, ils se sont retrouvés devant un cas d'incompatibilité. Et ils avaient 8 jours, à partir de la notification de la décision le nommant à la Cour de cassation, de faire un choix. Ils ont opté pour la Cour constitutionnelle. Donc, si M. Félix Tshisekedi ne voulait pas violer la Constitution, il les aurait nommés à la Cour de cassation. Attendre qu'ils démissionnent eux-mêmes, acceptent d'aller à la Cour de cassation, ils auraient de ce fait démissionné de la Cour constitutionnelle, et il aurait pu maintenant nommer des juges en leur remplacement. C'est pas ce qu'il a fait. Par la même occasion qu'il le nomme à la Cour de cassation, il n'attend pas que ces juges démissionnent, il nomme d'autres en remplacement de ces juges. C'est en cela qu'il a violé intentionnellement la Constitution, je pense que c'est clair. Alors, je peux continuer à reposer ma question. Bien sûr. Avez-vous lu l'ordonnance nommant les autres juges en remplacement de M. Kadouboulou et son collègue? Bien sûr. Mais curieusement, vous n'avez pas les noms de ces gens qui ont été nommés. Vous voulez que j'ai les noms? Pourquoi? C'est à la limite que j'ai les noms de Kadouboulou et Kilomba. Je n'ai aucun estime pour eux. Vous savez que si je défends aujourd'hui autant la conscience, c'est parce que la convention de la Mouka le dit. Mais je n'avais pas ce courage. C'est le président élu qui m'a interpellé, Martin Fayoulou. Il m'a dit, Steve, il est aux États-Unis. Il faut défendre la Constitution. Elle vient d'être violée par M. Félix Tshisekedi. Moi, je lui dis, président, je n'ai pas ce courage. Ces deux juges nous ont fait du tort. Il m'a dit, non, mais Steve, nous devons être deux hommes de principe. Quand la Constitution est violée, nous devons la défendre. Vous ne défendez pas ces deux juges, vous défendez la Constitution. Et ici, je retiens leur nom, c'est juste par un effort. Les deux autres juges, vous avez le nom, vous allez vérifier l'ordonnance.
C'est une dame et d'un monsieur. Moi, je m'en fous complètement. Moi, je parle de principe. Le principe est que la Mouka, on dit, premier objectif, nous devons défendre la Constitution. Troisième objectif, promouvoir l'état des droits. Quatrième objectif, lutter contre les antivaleurs. Une violation de la Constitution est une antivaleur. Rappelez-vous, lorsque M. Kabila était président de la République, il y a des gens qui sont morts. Parce que M. Félix Kabila violait la Constitution. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangal et les autres sont morts. Pourquoi? Parce que M. Kabila violait la Constitution. Aussi qui est mort, vous ne voulez pas qu'aujourd'hui nous puissions dénoncer la violation de la Constitution parce que ça viendrait de M. Félix Tshisekedi. Si pour vous, M. Félix Tshisekedi est Dieu le Père, pour nous, il ne l'est pas. Même s'il était Dieu le Père, quand il viole la Constitution, nous allons toujours le dénoncer. Très bien. Dans votre mot, j'ai opté dans cette émission de ne plus vous contredire, hein, disons de ne plus vous interrompre. Comme ça, vous terminez ce que vous dites. Vous commencez par A, B, C, D, et puis finalement, vous revenez. C'est votre analyse. Je pensais que vous laisseriez les téléspectateurs eux-mêmes analyser mes propos. C'est ainsi que je vous traite de fasciste. Non, y a pas je sens que vous êtes mal à l'aise quand je parle de vérité contre Fachi. Soyez très à l'aise, vous êtes journaliste. Laissez, moi je reconnais votre intelligence, mais le problème, vous n'êtes pas fasciste. Maître Steve, cette allure va vous amener droit au mur. Vous n'allez pas continuer à vous attaquer aux journalistes qui ne partagent pas votre point de vue. Je pensais que le journaliste se limitait à poser des questions ou à chercher à être d'accord ou pas avec mon avis. C'est différent maintenant. En fait, le problème, c'est que vous tombez très souvent sur des journalistes qui ne lisent pas ou qui n'ont pas la Constitution. Posez vos questions. Je pose des questions, répondez. Ne vous sentez pas menacé, je ne vous menace pas. C'est moi qui vous ai invité, j'ai le droit de vous mettre à l'aise. La question est simple. Aujourd'hui, vous dites vous-même que ce n'est pas parce que vous voulez le faire, mais parce qu'on vous a demandé de le faire. C'est ça, non? Vous gardez le principe. Il m'a rappelé. Bizarrement, le principe. Il m'a rappelé qu'un homme d'État ne doit pas faire prévaloir son état d'âme, mais son âme d'État. Il m'a rappelé. Et j'ai reconnu effectivement que j'étais dans les états d'âme. Parce que je voulus faire le revanchard. Il m'a dit non, restons dans le principe. Vous ne défendez pas ces messieurs. Je reconnais que le président élu Martin Fayoulou, c'est un homme de principe. Je fournirai des efforts pour en devenir un. C'est ce que je dis. Très bien. Je repose ma question. Lorsque Félix Tshisekedi prête serment, dans quel état il trouve la Cour constitutionnelle? Combien de juges sont là? Et que la Cour demande combien de juges? Il y en avait combien? Fallait-il faire quoi en ce moment-là? Dites aux téléspectateurs. Je ne sais pas la question que vous posez. Oui, parce que vous n'êtes pas préparé à répondre à ça. Vous parlez de quoi? Parce que ici, on parle de juges de la Cour constitutionnelle qui ont été remplacés de manière inconstitutionnelle par deux autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a trois personnes qui ont été remplacées, trois juges à la Cour constitutionnelle. Je comprends que vous répondez à des questions que je n'ai pas posées. Parce que vous parlez quand vous voulez. Vous voulez que je fasse une analyse générale sur la Cour constitutionnelle, poser des questions claires. Moi, je parle de cas précis. Je ne veux pas faire une litanie d'analyse sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vous faites une sélection de vos réponses et vous en avez le droit. Revenons dans la Mouka maintenant. Lorsque la Mouka prend cette défense, par exemple, allons dans cette hypothèse, qu'est-ce que vous poursuivez à la fin? Vous dites, par exemple, que le président n'est pas élu, d'accord? Et qu'il n'est pas légitime. Mais bizarrement, vous demandez la destitution. Alors, on ne peut destituer que ce qui a été légalement mis en place. On ne peut pas destituer l'illégalité. Alors, est-ce que vous avez... C'est pourquoi je dis, est-ce que vous faites le choix des mots? Est-ce que vous faites le choix des verbes quand vous analysez certaines questions? Non, d'abord, je regrette beaucoup que vous utilisiez certains concepts. Nous sommes en train de dénoncer une violation de la Constitution. La destitution ou la déchéance est constitutionnellement prévue. Ce n'est pas la Mouka. C'est la déchéance. Ce n'est pas la Mouka qui prévoit la déchéance ou la destitution d'un président de la République qui a violé la Constitution, qu'il soit élu ou pas.
nous, nous le disons et nous continuons à le dire jusqu'à aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi n'a pas remporté l'élection présidentielle. Bon, c'est un président non élu. C'est un vieux débat. C'est un président. Laissez-moi, je pensais que vous me laisserez quand même parler. Oh là là. Vous me posez, la question, vous ne me laissez pas. Mais vous avez changé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'État? Parce qu'à l'époque, vous répondiez calmement aux questions. Non, je suis calme. Non, je suis calme. Là, tu as l'impression que. Je suis on ne peut plus placer un mot. Non, parce que vous le faites de manière systématique. Vous ne me donnez pas l'opportunité de répondre. C'est comme si vous voulez que je perde de vue mes arguments. Non, pourtant, j'ai toujours été solide. Donc, M. Félix Tshisekedi est un président non élu, mais il est en fonction. On ne lui empêche pas de fonctionner autant que l'illégitime majorité parlementaire du FCC. D'ailleurs, le parti de M. Félix Tshisekedi nous a aidés à faire cet aveu pour dire finalement que la majorité parlementaire du FCC est artificielle avec des députés nommés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le CG de l'UDPS, M. Kabuya. Mais ça ne leur interdit pas de travailler ensemble. Un peu comme vous, vous êtes... Ça ne leur interdit pas de travailler ensemble. Non, est-ce que vous êtes sous-traité par le FCC? Vous allez dans une autre question. Non, est-ce que vous êtes sous-traité par le FCC? Vous allez dans une autre question, mais finalement, vous ne voulez pas que je réponde. Je suis en train de répondre. Donc, nous ne réclamons pas la destitution de M. Félix Tshisekedi. Nous dénonçons la violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi. Et je vous l'ai démontré. Vous dites intentionnel. Intentionnel. Donc, il faut qu'on arrête. Intentionnel. Non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On n'arrête pas un président qui viole intentionnellement la Constitution. Cette peine-là n'a pas été prévue. La peine qui a été prévue, c'est sa déchéance, ou on peut dire destitution, quand on le condamne par la Cour constitutionnelle. Nous ne voulons pas que M. Félix Tshisekedi soit arrêté. Tout est prévu dans la Constitution. Nous, nous voyons qu'il a violé intentionnellement la Constitution et nous le dénonçons. Mais Théodore Ngoï, qui est avocat, qui est aujourd'hui saisi par deux juges de la Cour constitutionnelle lésés, c'est lui qui mène l'action. Si cette action, effectivement, ira jusqu'à la destitution ou à la déchéance de M. Félix Tshisekedi, ça ne sera que du droit. Il chante l'état de droit. Mais comment vous changez comme ça? Je ne comprends pas. Il chante l'état de droit. État de droit veut dire respect de loi du pays, y compris la Constitution qui est au sommet. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vrai ou faux que vous avez dit dans un plateau de télévision et... pas seulement vous, mais pratiquement tous les caciques de la Mouka, vous avez dit que vous soutenez la thèse selon laquelle le président doit être déchu et que le peuple reprenne le pouvoir. Non, mais c'est prévu par la Constitution. Non, la question, ce n'est pas celle-là. La question, non. C'est vrai ou faux, vous non. avez dit ça. Non, mais laissez-moi effectivement vous répondre. C'est comme si vous cherchiez à ce que je réponde comme vous voulez. Oh là là. C'est pas comme si on était dans une formule où 1 plus 1 serait égal à 2. Vous dites 1 plus 1, je dis 2. Non, 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 mais laissez-moi effectivement commenter. Ne soyez pas autant déstabilisé. Oh là là. Non. Soyez les plus tranquilles possibles. Je n'ai pas changé de position depuis que j'ai commencé, mais c'est vous qui gesticulez. Non. C'est pas moi. Je suis très à l'aise. Alors, non, répondez à ma question. Vous posez une question. Je suis en train de vous répondre. Oui, non, c'est vrai ou faux. On peut aller à autre chose. Non, on peut développer après. Moi, je ne suis pas dans le vrai ou faux. Je dois argumenter. Allez-y, argumentez. On n'est pas même dans question pour être champion. D'accord. Même là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Argumentez. Non. Vous demandez, vous dites. Nous disons, quand M. Félix Tshisekedi sera déchu, le peuple va reprendre le pouvoir. Moi, je vous dis, nous dénonçons la violation de la Constitution. Et la conséquence, c'est quoi? Si M. Félix Tshisekedi est mis en accusation par le Parlement après que le parquet général près la Cour constitutionnelle l'ait saisi, il va par après d'autres procédures, être déféré à la Cour constitutionnelle. S'il est condamné, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question que les gens ont posée. C'est ainsi qu'on leur a répondu. Sachez-le, que c'est lui qui devra prendre le pouvoir, d'abord c'est un alter ego de M. Félix Tshisekedi. C'est un allié de M. Félix Tshisekedi, le FCC, que M. Félix Tshisekedi et l'UDPS ont aidé à retourner au pouvoir à travers M. Kabila. Et ces messieurs-là n'a que constitutionnellement parlant, vous allez lire l'article 76 de la Constitution, 76, on ne lui donne que 4 mois. Et ces 4 mois, il ne doit que organiser les élections. On lui interdit de nommer un Premier ministre et le gouvernement. On lui interdit de nommer de nouveaux magistrats. On lui interdit de nommer de militaires et de policiers, de nommer les fonctionnaires.
On lui demande tout simplement d'organiser les élections au maximum dans les 4 mois. S'il n'organise pas les élections dans les 4 mois, on entre dans un vide constitutionnel et institutionnel. Le peuple prend le pouvoir. C'est toujours ce que la Mouka a demandé, le réforme. Nous avions attendu. Nous cherchons à ce que ces réformes soient obtenues de manière pacifique. Bob Kabamba, qui est venu de la Belgique, a contacté tout le monde. On arrive à la SENCO, on attend la fameuse coalition FCC-CACH qui nous démontre que ce sont des ennemis amis. Ils s'entendent pour ne pas venir. Pour faire quoi dans cette histoire? Non, mais... Pour faire quoi? Soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux. L'Université de Liège s'est donnée comme initiative de mettre la minorité au pouvoir FCC-CACH et la majorité populaire, la Mouka, ensemble pour qu'on se mette d'accord sur des réformes structurelles. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le forcing du FCC qui voulait imposer son président, son agent du FCC à la tête de la CENI. Nous avons marché, nous, la Mouka, contre Malonda. C'est toute la République qui a marché contre Malonda. Oui, mais nous aussi et les autres, mais ça veut dire la même chose. Et quand M. Félix Tshisekedi aussi, d'ailleurs après l'aveu de M. Lambert Mende qui dit qu'il y a 5 juges à la Cour constitutionnelle pro-Kabila, et que M. Félix Tshisekedi lui aussi veut avoir ses juges, on dit non, on est constant, on dit que toutes ces institutions, réformons-les ensemble. Comme ça, qu'elle puisse assurer tout le monde. Demain, lorsqu'il y aura élection, qu'on s'assure que la CENI va travailler pour le peuple. La Cour constitutionnelle aussi. Au lieu que la CENI travaille pour le FCC et la Cour constitutionnelle pour M. Félix Tshisekedi. C'est ce que nous ne voulons pas. Et ça c'était ça l'initiative de réforme. C'est seulement Liège qui doit faire ça. Mais je ne comprends pas. M. Félix Tshisekedi a fait plus de 50 voyages. Ça l'a même amené à des dépassements budgétaires. C'était... aller, entre autres, auprès de Belges. Mais comme ce Belge estime que, au lieu de venir quémander l'argent chez nous, nous vous aidons à être stable. Pour être stable, vous devez vous mettre d'accord. Vous mélangez les Laissez-moi répondre. Vous devez vous mettre d'accord sur des réformes structurelles. Parce que si dans votre pays, vous renouez avec la stabilité, vous avez des institutions qui émanent réellement du peuple, vous n'allez pas nous demander de l'argent ici. Monsieur Félix Tshisekedi ne fera pas plus de 50 voyages avec de dépassements budgétaires pour venir ici en Belgique, mais dans votre Congo, vous pouvez faire de l'argent. Est-ce que la communauté internationale n'a pas le droit de venir aider les Congolais à s'entendre entre eux, à discuter? Non, ça c'est le Je reviens sur simple les questions. La question n'était même pas celle-là. Parce que c'est la même Belgique que vous avez traité des guignols. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Revenons sur des questions aussi fondamentales que ça. Lorsque vous dites que c'est Tambwe Mwamba qui sera président, on est d'accord. Intérimaire. On est d'accord. Il faut ajouter. On est d'accord. Il sera président intérimaire, comme vous le dites. Très bien. Qui organise les élections en ce moment-là? Qui est président de la CENI? Comment ça se fait? Mais... c'est prévu dans 2 lois. Dans ces 2 lois, vous ont fait perdre vos élections. Oui. Vous avez critiqué. Permettez-moi quand même de poser la question. Vous l'avez déjà posée, je ne sais pas ce que... Vous avez posé la question sur Tambwe Mwamba, je vais répondre. Vous voulez poser une autre question, finalement. Je ne comprends pas votre logique. Non. Oh, je vous laisse... Vous me réveillez même la parole. Je vous laisse poser la question. Comme ça, quand je vais répondre, ne m'interrompez pas. Vous savez que je ne vous ai pas interrompu depuis le début. C'est vous qui, finalement, vous rentrez dedans. Ça sera aux téléspectateurs de juger. D'accord. Je peux poser la question? Bien sûr. D'accord. Lorsque vous dites que vous allez, que Tambwe Mwamba va organiser les élections, très bien. La grande question est celle-ci. C'est quel CENI qui va organiser ces élections-là? Quelles sont les chances que vous aurez pour remporter ces élections-là? Troisième volet de la même question. Quand vous parlez du peuple, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de faire le populisme finalement? Alors que vous savez tout ce que ce peuple, ce n'est pas lui qui va diriger ce pays. Est-ce que vous savez que tout vide, ça va être contre vous, ou du moins contre vous? C'est la question. Répondez, je ne vous interromprai pas. Ok. Premièrement, je vous dis, il ne faut pas faire peur au peuple sur l'avenir. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de perspective. Monsieur Félix Tshisekedi a jusqu'aujourd'hui 2 ans au pouvoir. Il y a 7 armées étrangères qui occupent le sol congolais. Nous n'avons pas de budget. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le montant. Le social,
C'est catastrophique. Mais répondez à ma question quand même. Mais je suis en train de répondre. Là, vous faites le bilan. Répondez à non, mes questions. Non, quatre. Non, non, non. S'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. J'ai ma façon de répondre. Ah, d'accord. C'est votre façon de répondre. Vous pensez que l'avenir après Félix Tshisekedi ou sa destitution sera catastrophique. Je vous dis que maintenant, nous vivons un présent catastrophique avec M. Félix Tshisekedi. Okay. Et il n'a pas de perspective pour l'avenir. Okay. Et c'est en cela qu'effectivement, j'établissais le bilan. Mais ne cherchez pas à ce que je réponde comme vous voulez. Donc, nous ne voyons pas la différence si M. Félix Tshisekedi est là, ou M. Thabo Mbeki, ou M. Kabila. C'est la même façon de gouverner. Mais, au moins, vous parlez de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Quelle assurance avons-nous que, après la décision de M. Félix Tshisekedi, ça sera réformé? Mais quelle assurance avons-nous maintenant que cette CENI et cette Cour constitutionnelle seront réformées avec M. Félix Tshisekedi? Parce qu'ils ont fui le réforme institutionnelle quand on leur a demandé de venir à la CENCO, où la société civile était là. Mais de quoi parlons-nous? Nous nous estimons que M. Thabo Mbeki, quand il n'aura que 4 mois pour organiser les élections, il sera obligé que tout le monde puisse se mettre d'accord. Il sera obligé par le peuple. C'est en cela que vous devez comprendre. C'est le peuple qui vous a donné votre royaume. Le peuple est là. Ouais. Non, le peuple devient de plus en plus mature. Le même peuple que M. Kabila et M. Félix Tshisekedi ont berné en 2018, ce n'est pas le même peuple que nous mobilisons aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que le deuxième objectif de la MUCA, c'est de mobiliser le peuple pour obtenir une alternance démocratique reflétant la vérité du choix des électeurs. Comment ça va se passer? M. Thabo Mbeki, il n'aura plus de bouclier parce que M. Félix Tshisekedi est en train de jouer au bouclier contre le système de M. Kabila. Il joue au stop and go, comme l'aime le dire le président élu Martin Fayulu. Par la même occasion, l'UDPS nous dit que la majorité parlementaire du FCC est artificielle avec des députés nommés. Mais c'est avec cette même majorité qu'il travaille au Parlement et qu'il travaille au gouvernement. Monsieur Félix Tshisekedi, il va nous dire, il va déboulonner le système Kabila, il va coincer les gens du FCC. Mais c'est le soir à Kingakati qu'il rencontre M. Kabila, ils discutent sur le pays. Ils disent qu'ils sont d'accord, ils n'ont pas de point de divergence. Non, je comprends. C'est ce système-là qu'il faut casser. Donc, si aujourd'hui, il arrivait que M. Félix Tshisekedi soit déchu, M. Thabo Mbeki sera face au peuple. Et résumé, vous savez qu'il ne sera pas déchu. Il n'aura quand même. Non, mais ce n'est pas à moi, je ne suis pas un prophète. Si vous l'êtes, tant mieux. Mais vous savez qu'il ne sera pas déchu. Si vous êtes... Dites-moi la vérité au peuple, mais vous savez qu'il ne sera pas déchu. Mais non, mais... Et que votre démarche n'est que du populisme. Mais de quoi avez-vous peur? De quoi M. Félix Tshisekedi a peur? Parce qu'effectivement, pour être déchu, ça doit passer par la majorité parlementaire du FCC de Kabila, qui est votre allié. Donc si vous dites qu'il ne sera pas déchu, c'est parce que vous êtes sûr de M. Kabila. Alors de quoi? Pourquoi avez-vous peur de Thabo Mbeki? Pourquoi avez-vous peur de M. Kabila? Parce que finalement, vous êtes sûr que M. Kabila va dire au FCC de ne pas mettre en accusation M. Félix Tshisekedi. Vous êtes... cohérent envers vous-même. Vous savez vous-même qu'entre le FCC et les CACH, s'il y a des gens qui doivent avoir peur de Kabila, ça doit être vous de la MUCA. Mais c'est quoi ça? Mais je vous dis. De quoi parlez-vous? Alors, comment vous dites que les gens ont peur de Kabila? Ils n'ont pas peur de Non, non, non. J'ai entendu tellement de choses. Vous savez que la mise en accusation, ce n'est pas une procédure parlementaire, vous le savez. Mais je l'ai dit. C'est une procédure judiciaire. Je l'ai dit. Donc, cette histoire de la majorité du Parlement, quelle majorité soit totale ou partielle, elle n'a rien à voir avec la mise en accusation, ça vous savez. Que vous... Arrêtons de... Non, non, vous savez que vous êtes en train de dire quelque chose de grave. Non, 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 vous êtes... Non, je voudrais vous répondre parce que je sais ce que vous insinuez. On insinue quoi? La procédure voudrait que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, instruise le dossier et saisisse le Parlement. Ce n'est que ça. Mais alors... Donc vous, vous dites que vous insinuez que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, ne va jamais saisir le Parlement. Non, il ne va pas le faire. Parce que... Pour le faire, il faut qu'il y ait des éléments. Il faut que vous puissiez les éléments. Alors, non, les gens aux médias que vous le faites. Non, non. Mon frère, vous trompez les gens. Non, dites non. Non, je réponds ce que Mike Mukeba vous traite. Mike Mukeba estime que vous roulez pour Kabila. Soyez conséquents, dites-le. Non, non, Mike... Répondez à Mike Mukeba. Je voudrais pas. Vous n'allez pas les passer par les revers des bois comme ça. Non, je ne peux pas ici
commencé à venir commenter les propos de M. Mike Boukebaï. Pourquoi je réponds pas, à vos questions. Politique. Je réponds à vos questions. C'est un élu comme votre... Comme je pensais que vous me laisserez répondre. Non, mais répondez d'abord à la question. Je pensais que vous me laisserez répondre. Non, mais répondez d'abord à celle-là. Ici, on vous a démontré en quoi est-ce que la Constitution a été violée. Et vous dites quelque chose de grave. Ce n'est pas ici. Je voudrais... c'est au parquet. Pourquoi vous n'allez pas au parquet? Je suis en train de... Vous êtes avocat. Théodore est avocat. Laissez-moi répondre. Non, non. Ne soyez pas autant mauvaise. Ne soyez pas... Je suis en train de donner une réponse à votre question. Mais vous l'avez déjà posée. Vous l'avez déjà posée. Vous dites, mais pourquoi vous n'allez pas porter plainte formellement au lieu de dénoncer comme vous le faites? Ce que vous allez faire, arrêtez de vous tromper. C'est une dénonciation. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi vous répondre. Non, ça, ce sont des éléments. Non, laissez-moi vous répondre. D'abord, quand vous lisez le code de procédure pénale, on parle de la dénonciation ou plainte. Ce n'est que par la doctrine qu'on fait la différence. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Au fait, je voudrais vous répondre, parce que je sais que vous êtes juriste. Vous avez étudié le droit. Le procureur général, le ministère public, n'est pas seulement saisi par une plainte ou une dénonciation, c'est-à-dire écrite et qui lui est introduite. Le ministère public tient à l'ordre public, à ce que les infractions ne soient pas commises. C'est ainsi que les OPJ ont comme rôle de marcher, de rechercher les infractions et de prendre leurs auteurs, de les amener auprès du ministère public qui le poursuit. Donc, lorsque nous dénonçons verbalement comme ça, le procureur général avec ses OPJ, il est censé nous suivre et se saisir d'office. C'est ça les droits que nous avons étudiés. C'est pas parce que vous voulez devenir fatiste qu'il faut brûler la case du droit. Vous vous trompez énormément. Non, c'est ça le principe. Non, mais tout le trompez énormément. Non, la loi est claire, vous avez beaucoup de lois. Je crois que vous allez utiliser toutes ces lois que vous avez amenées. Mais j'en ai dans la tête. Ce n'est qu'une prétention. Non, j'en ai dans la tête. La question est simple. Comment vous dites aux gens, comment vous pouvez dire aux Congolais que le procureur général de la République, qui est là, près de la Cour constitutionnelle, doit entendre une plainte, une dénonciation non fondée des gens qui passent à la télévision et ils saisissent pour ça? Non, mais il a bien d'autres choses à faire. Vous êtes avocat. Pourquoi vous ne saisissez pas le procureur? Mais soyons sérieux. Je vous énonce un principe, vous n'arrivez pas à le contredire. Vous nous demandez de faire une procédure écrite. C'est le principe que j'énonce. Les étudiants de droit qui nous suivent, qui n'ont étudié que la première année de droit et la deuxième année, le connaissent. Que le procureur général... peut se saisir d'office. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui. Et deuxièmement... Mais vous ne dites pas qu'il doit se saisir quand il y a des faits. Non, deuxièmement, pas des faits pour deuxièmement je pensais répondre. Laissez-moi quand même répondre. Deuxièmement, c'est lui qui est en train de mener une action. Et là, c'est Maître Théodore Ngoï saisi par deux juges. Alors laissez-le. Saisi par ses juges. Non, mais nous restons dans la dénonciation parce que je vous ai dit que la convention de la Mouka, je vais vous en donner une copie parce que vous croyez pas que les hommes de principe peuvent exister dans ce pays. Notre convention de la Mouka, comme premier objectif, nous dit que lorsqu'il y a violation de la Constitution, il faut dénoncer. Mais lorsque vous vouliez faire ça, c'était pas le principe. Notre convention de la Mouka allait être président pour deux ans. C'est comme si vous êtes mon contradicteur, vous n'êtes pas. Même le contradicteur attend son temps. Ne soyez pas autant fatiste. Mais non, vous allez poser cette question et je vais y répondre. Je vous dis que par la même occasion, nous devons promouvoir l'état de droit. Ce que nous faisons est conforme à la Constitution. Dénoncer une violation de la Constitution, c'est un droit, messieurs. On veut bien. Vous avez dit que Martin Fayulu allait être au pouvoir pour deux ans. N'est-ce pas? C'était ça le deal. Mm-hmm. Il allait faire deux ans et remettre le pouvoir. Disons, faire organiser les élections. Mm-hmm. C'était en vertu de quelle loi? La Constitution. Quelle Constitution dit ça? Je vais vous étonner. Allons-y. J'ai la Constitution avec moi. Je vois que mon ami va beaucoup apprendre aujourd'hui. Oui, en tout cas, ça va me faire grand plaisir. Lisez l'article 75. Parce que vous êtes là, vous pouvez lire. L'article 75. Et 75, plutôt. On est là. 75. En cas de vacance, pour cause de décès, de démission... ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, la fonction de président de la République est exercée par le président du Sénat. Le deuxième cas de fin de mandat d'un président de la République, c'est quoi? C'est la démission. Et lorsqu'il démissionne, l'article 76
nous dit pour l'organisation des élections, au maximum, il n'y a que 4 mois. Au fait, l'engagement qu'avait pris la Mouka, c'était de dire quoi? De dire que le pays est dans la dérive. La grandeur de notre pays demande à ce que nous ayons un scrutin présidentiel à 2 tours. Nous devons avoir un système politique qui n'exclut pas certains candidats, comme on a exclu 3 candidats, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, sur 2 prétextes frauduleux. Le système congolais aujourd'hui donne un mandat élastique illimité au président de la République sur base d'une interprétation erronée de l'article 70. La Mouka disait qu'elle devait être cette plateforme politique qui doit remettre le pays sur le rail. Et son premier président élu devait avoir comme rôle effectivement de mettre le pays sur les rails, se retirer pour permettre à ce que les prochaines élections qui seront organisées soient le meilleur, que ça puisse renouer avec la stabilité du pays. Et de ce fait, notre président élu devait organiser les choses et par après démissionner pour permettre à ce que les élections, dans les 4 mois, soient organisées et que ce soit de bonnes élections. Ça n'allait pas être votre ami Thambwe Mwamba du FCC qui allait être président du Sénat. Parce qu'effectivement, la Mouka, en prenant le pouvoir, nous n'allions pas laisser à la majorité fabriquée du FCC avec des députés nommés, comme le dit Kabuya, de s'imposer dans la gouvernance. Et c'est cela qui est conforme à la Constitution. Mais vous vous perdez si fort comme ça, je ne comprends pas. Attendez 2 secondes. Comment vous allez arriver à elle? C'était prévu comment? Parce que finalement, vous arrivez au pouvoir. Je parie que vous n'allez pas avoir la majorité parlementaire. Parce que ça allait être... Ça, c'est vous qui pariez. Mais comment vous allez le faire? Parce que vous étiez tous allés aux élections. Vous n'avez pas le contrôle de la CENI. Vous seriez Félix Tshisekedi bis. Vous auriez la présidence et sans la majorité parlementaire. Et le président du Sénat l'est quelqu'un d'autre. Donc pendant que vous alliez gérer le pays, je comprends que vous allez nous imposer une dictature de telle sorte de paralyser le Sénat. Comme ça, ça vous donne la possibilité d'organiser tout ça. Pourquoi ne dites-vous pas clair au peuple congolais que ce que vous dites, c'est du populisme, tout simplement? Non, je veux être très sérieux. Oui, mais soyez sérieux, dites-nous quand même. Quand vous avez posé de questions... J'ai recouru à la Constitution. Vous recourez à votre prophétie. Donc ça n'a rien de prophétie. À voir. Ça n'a rien à voir ce que non, vous avez dit. Quand vous posez non, mais ce que vous avez dit n'a rien à voir. La Constitution n'a rien question, à voir avec ce que vous dites. Quand vous posez de questions, ayez l'amabilité de me laisser répondre. C'est comme si vous pensiez que j'avais des réponses toutes faites pour vous. Non, pas toutes faites pour moi. Non, pour non, mais laissez-moi. Vous êtes un homme de principe. Laissez-moi. Mais là, je vois laissez-moi répondre. Alors, je me pose la question. Non, si c'était un homme qui n'a pas la Constitution, comment ça allait être? Mais je n'arrive pas à comprendre. Non, mais vous avez posé une question, vous ne voulez pas que je réponde. Est-ce que vous n'allez pas laisser répondre ma question? Mais je l'ai comprise. Vous voulez répéter une question que vous avez déjà posée depuis le début. Mais non, mais c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à comprendre. Vous allez répondre sur quoi maintenant? Sur quelle question vous allez répondre? Mais que vous avez posée. Laquelle? Mais pourquoi êtes-vous tant mal à l'aise? Vous avez posé une question que moi j'ai comprise. Je vais répondre. Vous êtes mal à l'aise. Répondez. Répondez. Vous me posez la question comment le plan de Genève allait se passer avec un président qui ne pouvait avoir qu'un mandat de 2 ans. Je vous dis que la démission, c'est un des cas de fin de mandat d'un président de la République. Arrêtez-vous d'abord là. Non, non. Mais c'est pas possible. Ça. Ok, posez la question. Oh, mais c'est comme ça qu'on fait un débat, non? On relance. On n'est pas en débat. Non, vous posez des questions quand même. Vous répondez à mes questions. C'est un débat. Mais que vous aviez déjà posé. Ok, posez-la. Vous dites un mandat de 2 ans, n'est-ce pas? Si vous dites un mandat de 2 ans, c'est qu'on suppose Martin Fayulu président et que le Sénat est organisé autrement. Mais c'est ça votre fausseté. Voilà. Parce que vous tenez cet argument d'où? C'est vrai que j'ai dit que j'ai compris votre question. Nous disons le combat tel que mené par la Mouka. Ok. Nous n'options pas parce qu'il y aurait tricherie pour les élections législatives. Aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi, avec son camp politique, qui disent que cette majorité parlementaire du FCC était fabriquée avec des députés nommés. Et vous pensez que la majorité au Sénat, que M. Kabila le mérite? C'est-à-dire que l'option de la Mouka était que autant nous gagnions la présidentielle, oui, autant que nous devions gagner la majorité au Parlement. Comment? Que ça soit... Laissez-moi répondre. Comment? Laissez-moi répondre, oui, s'il vous plaît. Non, comment, soyez élégant. Non, comment juste? Mais je suis en train de répondre. Nous devions gagner et la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité au Sénat. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que le Sénat, c'est l'émanation de députés provinciaux.
Et les députés provinciaux, tout le monde le sait, que les députés provinciaux et nationaux, les candidats, quand ils étaient du FCC, ils ne plaçaient pas l'image de Chadari comme candidat. Ouais. Ils ne pouvaient pas avoir 70% de la majorité au niveau du Parlement. Ça a été fabriqué autant que le résultat de la présidentielle. Lamou, quand on l'a dit. Et le député provincial, de la même façon, d'ailleurs, le jour où on devait proclamer leur résultat, ce n'est pas le jour où on a proclamé le même jour avec la présidentielle. Pourtant, ce n'était pas prévu comme ça. Mais ça a été fabriqué. Et c'est Félix qui l'a fait ça. Mais laissez-moi d'abord répondre à la première question avant d'ajouter une autre. Oh là là. Je vous dis que nous savons que si les résultats, le vrai, étaient proclamés, c'est Lamouka qui allait avoir et la présidence et la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est à ces titres-là qu'on s'était dit, vous, président de la République, vous n'avez que comme rôle de réhabiliter le pays, de mettre le pays sur le rail, de démissionner pour permettre que les élections anticipées soient organisées. Et je vous ai démontré qu'un président de la République, quand il démissionne, il occasionne la possibilité d'organiser les élections anticipées. Et je vous dis que celui qui allait être président du Sénat n'allait pas être Tambwe Mwamba. Parce que, vous savez, le cardinal Monsengo l'a dit. C'est quand même un grand monsieur. Respectons le grand monsieur dans ce pays. Il a dit, si M. Félix Tshisekedi voulait mettre terme à la Kabylie, il n'avait qu'à reconnaître sa claire et nette défaite. Et le système Kabyle allait s'effondrer. Et vous vous estimez que si M. Félix Tshisekedi avait reconnu sa défaite, c'est le FCC qui allait diriger le Sénat? Non, mais soyons sérieux. Je vous dis, ça c'est votre idée qui estimait que Kabila est aimé dans ce pays et que Chadari, avec le FCC, pouvait avoir une majorité parlementaire au Sénat si réellement les élections étaient bien organisées. Mais non. Je peux, mais non. Notre schéma était très clair. Je peux. Oui, bien accepter sûr. Acceptez au moins que ce que vous dites, ce ne sont que des chimères. Selon vous. C'est des illusions. Vous êtes libre de dire. Rêver et vous rêvez malheureusement debout. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous êtes libre. Vous, parce que vous étudiez le droit et vous savez que ce que vous dites est faux. Totalement faux. Mais vous ne le dites pas comment. Mais je vous expliquais que lorsqu'on organise les élections, on vous élit le même jour avec les députés nationaux. Vous êtes élu le même jour. Donc par quel mécanisme, vous, arrivez président de la République, vous allez annuler le scrutin? On parle de... Par quel mécanisme vous allez faire? Parce que vous... Ou alors vous voulez faire le populisme, comme on dit, comme vous le savez bien le faire. Voilà pourquoi j'ai dit, on aura peut-être un autre temps pour faire un débat contradictoire. Non, ça sera bien. Ici, on ne parle pas de l'annulation du scrutin. Je n'arrive pas à vous comprendre. Non, mais comment vous pouvez baser je une réflexion pas sur des rêveries? Non, ce que vous appelez rêverie, moi, je ne vous comprends pas. Donc, Félix Tshisekedi renonce à la présidence et tout de suite, les choses changent. Non, vous devenez la majorité réqualifiée. Finalement, quand vous voulez, vous voulez finalement vous transformer en invité. Moi, je fais les journalistes. Non, pas du tout. Je pose des questions. Vous avez du mal à répondre à mes questions. Mais, tout le monde voit comment vous rentrez dans la forêt. Mais ce n'est pas à vous de juger. Alors, revenons. Mais c'est comme s'il fallait un autre journaliste, finalement. On se prend comme invité. On peut se donner rendez-vous ailleurs. Comme ça, vous serez comme invité. Ce n'est pas à vous de juger que je réponds mal ou bien aux questions. Mon émission, c'est une émission interactive. Quand vous parlez, je parle. Je pose des questions. Si je trouve qu'il n'y a pas de vérité dans ça, ou si je trouve que ça va dans l'autre sens, mais je ne pense pas que vous allez donner votre opinion personnelle. Soyez très à l'aise. On perdra le temps. Non, je n'ai pas posé des questions. Vous allez répondre comment? Non, parce que vous ne comprenez pas que cette démarche est constitutionnelle. Non, laissons ça, maître. Mais c'est pas possible. Laissons ça. Vous savez que c'est des rêveries, laissons ça. Je ne vois pas les autres faire un débat aussi avec André Mbata. C'est vraiment l'amicalité, hein, c'est la Fatini, là. Vous voulez que je fasse un débat avec André Mbata? Je pose des questions, s'il ne répond pas, je recadre. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez qu'à suivre. Je n'ai jamais vu. Oui, mais parce que vous voyez faux partout. Je vois que vous vous mettez effectivement dans la peau de votre... d'un militant de l'IDPS, d'un parlementaire debout. Je vous vois même recevoir des parlementaires debout et je comprends. Ah bon, mais donc c'est difficile, c'est pas possible de recevoir les parlementaires debout dans mon émission. Je comprends, des gens qui ne parlent que de formoles et du n'importe quoi. Oui, mais vous êtes militant, je vous reçois. Je vois. Non. Entre nous deux, c'est militant, vous êtes militant. Je suis secrétaire général du Nouvel Élan, je suis porte-parole du coordonnateur de la Mouka. Ce que j'ai dit engage toute une structure. C'est la même chose. Je suis pas un parlementaire debout. Rentrons pas dedans, le plateau, la télé, c'est pour tout le monde. Parlementaire debout, secrétaire général, c'est la même chose.
Je reviens sur une question simple. Maintenant, revenons sur ce que Martin, disons ce que l'honorable Mike Mukebai vient de dire à votre sujet. Ça veut dire, pour lui, il estime que entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, celui qui a trahi l'autre, c'est Martin Fayulu. Et Mukebai se pose la question, comment un homme comme M. Martin Fayulu, qui n'a pas pu dire la vérité sur 50 dollars, sur 1000 dollars seulement, il n'a pas pu dire la vérité, comment il allait gouverner un pays aussi riche comme le nôtre? Alors la question est simple, et c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe avec Mike Mukebai? Point barre. Répondez s'il vous plaît à ma question. Mike Mukebai, c'est un député provincial. C'est un monsieur avec qui nous étions, et je pense que nous sommes. Il dispose de sa liberté d'expression, de sa liberté d'opinion et de sa liberté d'action. Je n'entre pas dans la bassesse de débat de 50 dollars, de 100 dollars, de 1000 dollars. Dans un pays où le peuple souffre, dans un pays où le peuple attend qu'on mène de vrais débats, plus de 2 millions de jeunes chaque année cherchent l'emploi qu'ils ne trouvent pas. Avec l'ancien stock, beaucoup se transforment en Koulouna. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont kidnappés. L'insécurité bat son plein. On tue les élèves en plein examen d'État. Le gouvernement ne nous donne pas des solutions. En mars, M. Ilunga Ilukamba est allé au Parlement pour leur dire qu'il devait amener un budget rectificatif, c'est-à-dire modifier le budget. Depuis là, il n'est jamais revenu. En septembre, répondez à ma question. En septembre, Maître Steve, en septembre, va-t-il présenter le budget 2021 ou le budget modifié de 2020? En fait, si j'en parle, vous prenez, vous voyez que je prends un air sérieux. Ce pays mérite mieux. Ça ne mérite pas de basse polémique. C'est que M. Mukebai dit, s'il estime saisir la justice, qu'il aille le faire. Je ne veux pas ici commencer à le vilipender, à le vouer aux gémonies. Je pense que vous me connaissez. Je ne suis jamais tombé dans la polémique. Et je ne tomberai jamais dans la polémique. Ces questions-là sont d'ordre privé. Il part de l'argent qu'on lui aurait donné pour l'aider. S'il est lésé, ce n'est pas une question de débat public. Ça n'intéresse pas le peuple. Moi, je pense humblement que je souhaiterais, si je ne le suis pas, être un homme d'État. Si. Un homme d'État ça intéresse le fait peuple. Un débat d'État. Non. Mais ici, vous parliez effectivement d'aller saisir la justice. D'aller c'est saisir la justice. C'est une question de moralité et de transparence. Non. Si vous me parliez ici d'aller saisir la justice, mais s'il estime qu'il y a eu infraction, où il y a eu une faute civile, qu'il aille saisir la justice. Il a parlé c'est de la moralité. Non, c'est un débat de caniveau. Pas des caniveaux, parce que de la moi, moralité. Je vous dis que ça, c'est une fausseté. Parce que je connais beaucoup sur ces affaires. Mike Mukebai, on a fait de lui conseiller spécial en communication pendant qu'il était en prison. On l'a soutenu. On a eu deux fois mal à l'estomac. Et vous lui avez rappelé un jour sur son plateau. Dans ce pays, il faut avoir un sens de gratitude. Il faut être reconnaissant. Il ne sait pas, au-delà de ce qu'il raconte, combien le président Fayulu a dépensé. Est-ce que vous savez que, de l'histoire de tous les coordonnateurs de la Mouka, il y a eu un seul qui a fait toute une déclaration pour soutenir Mike Mukebai, une personne, le coordonnateur Adolfo Mozito. Je me vois très mal aujourd'hui de commencer à entrer dans des débats de caniveau. Un élu. Sur de montants. Mike Mukebai est un élu. Mais il beaucoup est élu. Entre, beaucoup chez vous ne sont pas élus. Je n'entre pas il dans cette polémique. Alors vous ne pas élu, réduire. Il est élu, donc il est rédévable à sa base. Qu'il aille expliquer à sa base tout ce qu'il dit. Il parle de moi, la je n'entre pas. Je, mais ne vous, pourquoi vous je vous dis ce qu'il débat. N'y a pourquoi aucun problème. Je ne suis pas mal à l'aise dit, quand même. Ah, il dit, Mike Mukebai dit ceci. Il ne veut pas demander de l'argent. Il dit, il relève le niveau de ceux qui prétendent gouverner ce pays. Il dit, s'ils ne sont pas sincères, juste avec des petits montants comme ça,
Alors posons-nous la question, comment ça va être s'il devient président de la République? Vous qui nous chantez la moralité de Mike, de l'honorable Fayoulou, vous nous chantez la moralité de l'ancien Premier ministre, M. Mozito, vous nous chantez leur moralité, mais Mike Mukeba, il vient éclabousser tout. Alors vous lui rappelez les gratitudes, dont la gratitude, elle est à sens unique seulement. C'est Mike Mukeba qui doit être, reconnaissant envers Mozito et envers Fayoulou, et pas l'inverse. Mais je vous dis que c'est une fausseté. Comment ça, fausseté, maître? C'est une fausseté. Il n'y a jamais eu une fausseté. Je pense que... Non, je vous dis que c'est une fausseté. Ok. Donc, parce que je ne peux pas... Non, je ne peux pas commencer à vous étaler ici les dépenses qui ont été effectuées, que ce soit par l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, que ce soit par le président élu Martin Fayoulou, que ce soit d'autres forts, d'autres choses qu'on a pu faire que l'on ne peut pas qualifier en argent. Moi, je voudrais tout simplement remettre M. Mike Mukeba face à sa propre conscience. Ce genre de débat, ça ne l'élève pas. Et moi, je vous dis, si d'autres personnes pourront entrer dans ce débat de caniveau, dans ce polémique, moi, je n'y entrerai pas. Malheureusement, moi, je connais Mike Mukeba. J'ai discuté avec lui, c'est un ami. Vous savez, avant qu'il n'entre en prison, on a eu une réunion quelque part avec un haut cadre de la Mouka qui nous disait, voilà, il ne faut pas critiquer Félix Tshisekedi. On sort de cette rencontre. Monsieur Mike Mukeba, il m'appelle. Il me dit, Steve, on ne peut pas ne pas critiquer Monsieur Félix Tshisekedi. Il est avec Monsieur Kabila. Il a accepté de faire un deal. Nous devons le critiquer au même titre que M. Kabila. Moi, je vois ce Mike Mukeba, pour qui j'avais beaucoup d'estime. Ah, vous aviez... Je ne vois pas, je ne reconnais pas celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on estime que quand M. Félix Tshisekedi viole la Constitution, nous devons croiser le bras parce que M. Félix Tshisekedi serait Dieu le Père? Non, mais voilà, voilà. Là, il y a encore un problème. Voilà la question de Mike Mukeba. Mike Mukeba dit ceci. Il n'est pas contre le fait que vous dénonciez la manière de gérer le pays ou les violations de la Constitution. Mike Mukeba va contre votre manière de faire. Il dit pourquoi vous avez attendu que ça vienne de Théodore? Vous aviez constaté ça depuis très longtemps. Pourquoi n'avez-vous pas dit ça avant? Pourquoi vous n'avez pas été au premier rang? Pourquoi vous attendez ça? C'est ainsi que... On vous a rappelé sur un plateau de télévision, votre frère Peter Tiani, qui a été victime de la gestion de M. Mozito, il a dit clairement que M. Raymond Tshibanda, je reprends les termes de Peter Tiani, Raymond Tshibanda vous a sélectionné, vous, de la Mouka, pour jouer ces jeux-là. Sur le plateau, vous n'avez pas répondu. Je peux répondre? Allez-y, monsieur Maître Steve, soyez tranquille. Premièrement, vous dites que M. Mike Mukeba a reconnu qu'il y a eu violation de la Constitution. Je l'ai suivi aussi. Oui. Ok. Maintenant, vous dites qu'il dit pourquoi on a attendu Théodore Ngoï. Oui. Pourtant, toutes les violations de la Constitution par M. Félix Tshisekedi, nous avions toujours dénoncé et ce n'est qu'un seul cas où M. Théodore Ngoï vient intervenir. Mise en accusation. Laissez-moi dire. Nous, on dénonce la Constitution. Nous, on ne parle pas d'abord de la mise en accusation qui est constitutionnelle. Laissez-moi, effectivement, vous répondre. Vous dites, non, nous dénonçons les violations de la Constitution de M. Félix Tshisekedi. Plusieurs. Je pense que ceux qui nous suivent les savent. Mais maintenant, le reste. Théodore Ngoï, quand est-ce qu'il vient? Mais quand on dénonce à Sainte-Thérèse, Théodore Ngoï ne vient pas encore vers nous. Quand je vous dis que M. Le président élu Martin Fayoulou, à partir des États-Unis, m'a appelé pour que je dénonce cette violation de la Constitution. Il n'a pas encore rencontré Théodore Ngoï. Troisième chose, vous parlez de Raymond Tshibanda. Laissez-moi en rire. Monsieur Raymond Tshibanda n'a jamais consulté monsieur le coordonnateur de la Mouka, Adolphe Mouzito. Il n'a jamais vu le président élu Martin Fayoulou. Notre ami Peter Tiani, il l'a dit pour en rire. Il a manqué d'arguments. Il devait dire au moins quelque chose parce qu'il ne connaissait pas la Constitution. Il devait dire quelque chose. Moi, je l'ai compris. C'est un ami. D'ailleurs, on a fait par après une émission de manière amicale. Il sait bien, il m'a pu poser cette question parce qu'il savait que là, j'allais avoir l'opportunité de lui répondre que c'est une fausseté, c'est un mensonge. Et ce pays ne peut pas être construit par le mensonge. Mais de toutes les façons, pourquoi avez-vous peur que vos alliés puissent
nous rencontrer s'ils veulent nous rencontrer. Donc, c'est votre parce que c'est vos alliés. C'est votre manière d'étiqueter les gens comme ça. Mais c'est vos alliés. C'est votre manière. Non, disons les alliés de Félix. Ouais. Mais je sais bien, je sais que vous représentez mieux la Facili ici. C'est ainsi qu'en réalité, mais en parlant de vous... Au moins, vous savez que c'est indélicat quand même de le dire à un groupe. Bon, ok, pas de problème, je le retire. C'est pas galant, entre nous, on peut pas se dire. Pas de problème, je le retire. D'accord. Mais pourquoi l'UDPS et M. Félix Tshisekedi ont peur que leurs alliés puissent même dans un rêve rencontrer la Mouka? Pourquoi même le FCC a peur que nous puissions voir les gens du cash? Parce que le 13 juillet, quand on a marché contre Malonda, le FCC a même fait une déclaration signée par Néhémy où il disait « Cacher la Mouka, Bazaïs quoi ensemble, Baïbassa et la plan à Genève ». Aujourd'hui, parce qu'on défend maintenant le principe contre les caches, c'est le contraire. Mais non, nous restons dans le principe. Ça vous tente de faire. Mais si on bout à Nanabis, on a binoté. Toi, on a posé à binoté. On a mandé le sous-binoté. Tant qu'on a qui m'a qui. Tant qu'on a qui m'a qui. Tant qu'on a qui m'a qui. Je pèse à la calme. Tant qu'on a la caméra. Tant qu'on a qui m'a 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 Yesu kote kokutana mobali nanga za kandoki kokutana yete ni mobali ngola kana embeto mokote kindoki ngola kaote chibanda to mona yete donc comme il a posé kokutana ba chibanda to mona yete to ana posa ba yete to ana posa to mona ana bango mibale FCC na cash baya na cadre to lobi ya lisolo to bongoli seni to bongoli cour constitutionnelle to keina mapona mioyo peuple a kopona parce que to moni yete ce qui toza ko respecter volonté à peuple te. Il y a un peu comme il y a une instabilité. On m'a dit, il dépense. Tant qu'on a Boudaka, FCC, on a dit que le bango, mais c'est un kabou y a des missions. On a dit que le bango, il dépense, il y a un FCC. C'est parce qu'il dit que la majorité de bango est à l'Okuta. Il dit que FCC a la population. Il y a un peu comme Betty Bango et que c'est à même si tu as un peu comme le quoi marché de dupes. Le quoi est le quoi Moïbi. Biso de l'imboka et dignité. Moto alongi makona mindenge omona Macron ata peuple a côté remela yeme jamais okomona opposition ba contester biso to ngito ko mala ba opposition na mboka bobite nde ko aza na mandat na ye to critiquer mais to tiki akamba mais on na mboko yo ezaka toujours contester bato moins de conférence que dans ces voyages kili kili ma mimi ata investisseur te jamais lo ame magna ba maison préfabriquée moi ko tsi na boloko ah yem dans mais jamais e bongo ebite. On a informé. Donc, Félix, c'est ce que nous avons dit Jamal. Il y a Jamal à la Liban et Jamal à la Congo. Jamal à Zalaka Awa. Mais l'entreprise n'a pas été à la Liban. Comment on a fait qui ma maison pour fabriquer ou Taïwan. Pendant que nous avons six mois, Zali, prison. Batigi Jamal à ma maison pour fabriquer. Avantage, c'est que vous avez fait la Kangi. Avantage. Mais vous avez fait la peuple souffre. Avantage. Donc, vous avez fait la prison. Vous prison. Vous avez que la prison. Vous avez fait la même stade de martyrs. Vous avez fait la prison. Boko sa mabe ay bato bakangi botie na prison. Bosali mabe bato bakangi botie na prison. Mais mabe ngoko utapa na bino. Modèle ni basala sur le contraire. Et longo basala ka. Ah, etani. Bosali au moins dernier programme à 100 jours wana. Il faut ça un programme à malamo. Oye favoriser moyibité. C'est quoi ce qui basali? Bakangi boko to mayele. Bosembene ni so. Té. Oye bitango balo baka programme ils ala présenter na parlement. Ils ala rapona d'abord 608 personnes ba fongola miso ba ba botay eloko promettre. Comme ça, tu bandi ko landela. Est-ce que ça, ngoto ko sala te? Tant que vous présentez le programme Libanda, il y a une institution. Ba to ba na ba détail te ya ko ba ba député ndeni ba ko landela. Yo président yo ko présenter programme na place à premier ministre. Mais on va interpeller ka yote. Au moni esika moyibi banda ka ngona. Détournement banda ka ngona. On a quelqu'un qui place là. Tozongi. Ya moto ni moto na tozongi ka la te. Za bona ko limbola te. Tozongi ce qu'on a ka tu. Parce que les gens ont moto afachite na ko le bande ba to afachite. Ni kamboté. Tout ce débat dans sur le Cambodge, beaucoup de choses évoluent. Tant que Ndeko Martin Fayulu Walimbi a engagé la Mouka, je pense que Bosolo Lakata, pour Ninga, peut-être pas, tout le monde qui, bizarrement, Fayulu Zongi, a eu un mouzito. Il a eu un mouzito. Nous avons passé dans le Bangote parce que ça, vraiment, pour moi, c'est un débat de basse échelle. Il y a une déclaration à Martin Fayulu sur Mouzito, qu'il fallait que Mouzito place à Mouzito, ils auraient libandaté, ils auraient la prison. Mais le lot Mouzito, il y a eu un peu de il y a Martin Fayulu. Le lot. Mouninga, mon nene, Martin Fayulu. Donc, disons le lot, Martin Fayulu, il a eu un peu de temps pour Mouzito, il a eu un peu de temps. Mais il a eu du mal à la Kabila, à la Fachi, pour Bango, il a eu un peu de relation avec les gens, ils ont eu un peu de temps. Et c'est que Moussou a dit que tant que Martin Fayulu a eu beaucoup de
aye na kisasa te peut-être en commune kisasa pour nini koya na kisasa bemba ete donc ndeli madana kisasa a tweeté pena ko tweeté te katumbi pe azaka kana Congo pe a tweeté te moto na emoko pe ayete ndengo to mituni démarche au bozui et comme Théodore Ngoyi mozito na fayulu to iraka boka na kata la muka et ta bemitu na mibale comme tungisa te limbola biso ya liboso UDPS aloba kabila rwandais bozongise na Rwanda Félix Atumba Tumba kabila lelo azana elisanga pire route de ko Félix ce que de ebisa biso ebini na ebisa biso nini abi oyibi ke pouvoir ko kambango za akande matata boy maka monsu na anda ko lobeza ka ngo biloba loba siko na kotio na ko mone za akande matata boy ko kambamboka ya makambo monsu président Fayulu aloba peut-être que ça a des informations qui sont soutenues. Mais le mot a commis à Monique et à Banega, à Goboa, qui a mousi ton bois qui est là. Parce que de toutes les façons, et donc on dit que c'est qu'on interdit. Bah, tout bas, on va preuve, on a pas fait sa justice, n'est-ce pas? Ah, voilà. Yango Bazali Lissanga. Yango Bazali Lissanga. Yango Bazali Lissanga. Si quoi, tout dit, ma kambo ya la mouka, yo lingi, relation à ba leader, et zala, n'est-ce pas? Adolphe Mozi Tona Fayulu. Et ça, choix à bateau. Et dans Bokate, hein? Et ça, choix à bateau. Okay. Et loko, ce qui est un fait, c'est que Bazaï na lisanga. Na ko ebisa oke Mikolo bako solo la. Bako préparer remise et reprise entre Adolphe Mozi To, ou Azali coordonnateur sortant, na Martin Fayulu ou Azali coordonnateur entrant. Mm. Bango nyon so lisanga, tout na bango. Kende ko tout na bango Bazali. Ce qui choix est que wa lingi ko se déplacer ta mba moninga ezali choix na personnel fo yo kende ko tuna bango po ani akende ko yambate te yo déporter l'essentiel ezali que ba solo la nga en tant que porte-parole hein, je parle des organes na ko tala sentiment ba to te wa kende ka yambaka wa asika katango moninga yaka nga ko tala nga ko tala nga ko tala présidium ya la muka na ko ebisa yo ba za ko solo la lelo kende ko tuna bango ba yebi ba ko préparer remise et reprise la muka. Ils allaient toujours avec le 4 leaders. Okay. Bah, oh, bah, l'ongwa kaye banaka. Bon, est-ce qu'on refait un peu sur Vitmani Mukibay à l'ongwa et toi, Zaka? Mais bite, hein, tout le monde est-ce que l'ongwa est à l'ongwa? Toi, Zali. Nga la moni a commis l'ongwa mokandate. Ok. A commis l'ipe coordonnateur yala mouka mokandate. Ou à nomakie. Hein, sur forte demande nangaï. Nakanisie est à ko reconnaître yango. Yo mouto senga ki ba nommé. Ezana pour makamoussou balobarate. Yé moko a yebi. Donc, il y a un problème. Il y a un makamboni, tout ça là. Oui, il y a un problème. Pas de problème. Il y a un problème. Il y a conscience. Il y a un problème. Tout ça, il y a un problème. Il y a fort. Il y a un problème intègre. Il y a un fort. Peut-être que c'est un problème. Mais il y a un fort. Tant qu'on a lobby que c'est sur forte insistance, il y a de quoi je parle. Il y a des choses que je peux dire que c'est pour un respect. J'ai beaucoup de respect pour sa personne. Donc, il y a un peu de belo, il y a un peu de belo, il y a un peu de belo. Est-ce que quand tu as la caméra, on répond à la question de tout le monde. Est-ce que vous soutenez la famille de Mike Mokebay tant que vous êtes dans le monde? En dehors, il y a fait ou il y a lobby, vous avez fait 200 $. Abandonné les mots 3 fois. 200 $ seulement. Vous avez fait un peu de belo pour que vous avez fait un peu de Peboali, l'ancien premier ministre, a bengi lokubabi ara millionnaire lelo. Bozana Moïse ka Fayulu balobi pa koma na mbongo pe moyebele. Pe bino la muka motakoti boloko likola bitumba na bino eloko yo Steve ki voto koti boloko. Pe a bengi mama na ndako pe si 200 $. Motuna yango wana 200 $ nde ya lobi. E bisa biso soki bosunga kaye tangaki na boloko en dehors ya mbongo wana. Ndeko oyebi soutien makasi za ka soutien moral. Babali ka moral te. Si quand on a pensé à nous, il y a un soutien moral. Oui, même la Bible, hein, je ne suis pas un grand chrétien. Même la Bible, maman, il y a pensé pièce moko, il y a monnaie. Il y a un travail qui est dans ma considération. Il y a ma casse. Mm. Donc, on a un soutien moral, c'est le plus important. Il y a un soutien moral, c'est le plus important. Il y a un dossier. Le dossier, on a un sur 10, il y a un contre nani. Et c'est ce qu'il y a, bateau à soutenir. Et ça, un dossier à Daniel Monante, administrateur, moto à cash. Soutien moral est le plus important. D'abord, dans le Kobanda ici, parce que Mbongo, vous pouvez vous jouer, vous pouvez vous perdre. Mais ce qui est moto à l'ingio,
Nayebi makambo personnellement na salaki. Na kotanga yango te. Pour respect d'aye. Ye moko ayebi esiko azali. Modestement, yango mona ngwe za importante. Mais soutien na ngweza ki moral pa nga na nga mbongo te. Population boye ba ke na za kana mbongo te na za locataire ndenge na za bou. Mais quand je respecte quelqu'un, quand je soutiens quelqu'un, na coupé sa ba effort nyonso. Président élu, coordonnateur Yalamouka Adolphe Mozi, l'occasion de Bapé Saki, ce n'est pas ça qui est le plus important. Attaque au Bapé Saki, le lobby Adolphe Mozi, toi, un millionnaire, n'a évité. N'importe parole, n'a pas de Rambongo Anate. Je vous l'ai dit ici. N'a pas de Rambongo Anate. Nazawa, ou Yébi, que n'a pas d'émission, n'a pas de Bengi, n'a pas de Rambongo. D'ailleurs, merci, n'a pas de Rambongo Anate gratuitement. Posa Mayele, voilà. Voilà. Et merci beaucoup, n'a pas de Rambongo Anate. D'ailleurs, une grande promotion à intégrité, même si Mikolo, yo, ou Komiko s'est fatigué. Donc, Deko, il faut tout respecter le principe. Ton nimboko est un mot comme valeur. Ok. Et ça, bon côté, mon te somba kamuto. Nga il est là, ce qui n'a commis millionnaire, ba journaliste ba kosepe là. Nandambo na za kanango na kabula kana ba dinga. Ba te ba ebi comment je me comporte. Mais ce qui n'a pas sa gâte, ça parce que naza na yango te. Mais si que tout ce qui s'est débat dans parce que tous yeux béton moi ébéré, ce qui est vrai, ça a un plaisir, même si des biens d'aller qui dans ma couleur d'ango, bon, c'était ce ben bi politicien à la Kobe Bongo. Politicien, ce qu'on a mis, ce qu'on a vu, moi, pourquoi ça n'a pas de tout, ah, à Kobambo, ben, ticket, et Kambopete. Journaliste, ce qui passe à être soutenu par un camp politique, moi, quand il y a un PC bien, et qu'on a essayé de maquiller, qu'elle est, à quoi m'a un peu déstabilisé, à quoi nous, qu'on tient invité, n'est mal à l'aise, mais, t'as bisou, t'as qu'à vacciner. Ce qui t'a qui soutenu, moi, quand t'as Kambopete, t'as plateau Moulungi. Ce qui t'a soutenu, moi, t'as Kambopete. T'es, n'a moni l'otili qui déza ma bé, mais, bandekona, moussou, n'a moins, bah, qu'on a, bah, moi, ma peut-être, chiffre, moi, côté, bah, qu'on paie Sabino. Réclamé pas une de Kotiani et n'a mon aïe moi mali les aïe qui malam. Pierre deux coups, c'est normal. Non, mais non, moi je te soutiens. Non, pas du tout. Non, moi, voilà ma demande. Hein. Ce que Bissi Lamouka va soutenir Bissot la TV, c'est un plaisir. Tu as besoin de 150 000 $. Bisso peuple ne moto à cotisaka. Nago ebi sabango. Soit tu es à 50 000 francs. L'essentiel les ajustes. Et ça me fait plaisir. Soit tu es geste, ça me fait plaisir. Toi, on est en train de mendier la télé ici. Dans un moment, non, pas de problème. Ceux qui osent au sala, mon sala louable. La presse c'est le quatrième pouvoir. Moi je dis aux journalistes. Ebi bas journalistes, bande comme ça, bas politiciens, bas à la gâte. Wana moto ya fachi, wana moto à boue. Nago kenda kapa na été. Ngana tikala jamais que le babongo. Nalinga ka débat. Parce que, naebi que, ata na 90% moto azana tort, le 10% ana ça peut me servir. Ça, ce sont mes convictions. Et puis, bato le bara mingi bongo, il a bato bara débat, bara argument mingi penzate, dango bara tiki, taka bato mingi. Et ça, l'inga un grand plaisir, Koyambayo, le lot porte-parole. Donc, continuez, Koyambayo. Bisous, tu peux sur plateau, d'abus, c'est ça, bon, il va gratuit. Venez à temps et à contre-temps. N'a profité, Koyambayo, parce que, tu es qui président Fayulu, a couru les cas d'émission. Tu peux bisous, tu es déplacé vers Yé, mais tu sais qu'à tous une réponse. Donc, le coup, là, il y a un coup, mingi mingi. Mais quand Koyambayo, c'est président Fayulu, que tout ça a besoin, tout que nous avons, tout ça a interview, n'abus, et que ça a besoin de plaisir. Naye, non, M. Mouzout, surtout pour un décret, mon signe à Kavana, je ne sais pas si je suis bien sûr. Mais le décret, on a un rolling-gat. D'abord, parce que tu es au moni ndeko wana sans te mentir, j'ai beaucoup de respect pour les gens. C'est même un défaut pour moi. Nalinga ko respecter bato et ça moi nga moi lengi mo robo que non le ba monsieur que nao respecté ou que je m'excuse. C'est comme ça que j'ai grandi na changé été. Na kolinga to ça la débat wana pour na koloba bo solo. Naebi, vous avez un engagement en a. Et tu en as souffert, bah, côté Moussous, vous avez sanctionné parce que vous avez la vérité. Vérité, c'est qu'elle a la vérité. Le kouta pèse le kouta. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on se sentir proche de Kamoro Boye qu'il faut qu'on pakola le kouta maquillage. Il y a pas de décret, on a bien gagné. Il n'y a pas de problème. Dans le sportivement, vous avez un texte, vous expliquez bateau.
terme boyengi ko la ki sa boye. Comme ça, du choc des idées jaillit la lumière. Exact. Parce que ndeko, tango toza ko sa ba débat kaka toza ko souka na makanisi boye. Toza ko sunga Congo. Toza ko privé na bato bakanisa ka ete soki moto za ko sepea na ete esengela ki na estasi mamandoki. A ko zo pouvoir na makasi. Je le pense aussi. Esengeli bato ba discutaka. Toyo kanaka. Pe moto na moto ba esika asali mabe. Mboko to lingi yangwana biso bitumba na ngai nga na lobaka. Na biso ngo mwasi na nga na obi. Moko na gotika politique ya mokolo na ko sentir que peuple a ko bi ko pona. Ba dirigeant na ye. Ya solo ba dirigeant ba ko kamba mboka. Bazali vraiment ba outa na peuple. Obi na nga on dirait c'est ko gotika ka politique te. Ba to bel ba ba bon mais nous on croit parce que moi je sais qu'on appartient dans la même lutte. Lutte à ma valeur. Parce que j'estime que le pays, un pays ne peut pas se développer sans principe. Mm-hmm. Et le principe est dans la écolothèse, dans la tributèse, dans la agitèse. Effectivement. Et donc, Tobunda, pour nos principes, est Simba. On est une génération, je crois que 8 ans de tour changé Mboka. Et né, Salaki, Mboka, Salaki. Notre responsabilité dans cette génération, c'est de ne pas de nous battre, de nous déchirer, mais c'est plutôt de combattre pour ma principe, dans ma vertu. Effectivement. Yango, d'ailleurs, nous avons un engagement, Yakoso Lana Bilenge. En dehors, il y a parti politique. Oui. Nous avons une fondation, en gros, on a bien la génération réserve la République. Oui. Parce que des fois, tu es bagato, que vous n'habitez pas, mais vous ne pouvez pas. Si vous avez un peu de temps, vous ne pouvez pas. Il y a un peu de temps, il faut tout former. Il faut tout former. Tant qu'on a un peu de temps, il faut un succès, pour la célébrité. Il y a fort. Makambo na koloba et boti sobe ba jeune mosusu ya ba conviction o ba kolinga compétence na intégrité yangwana je suis en train de nous appeler ya ko respecta ka ba principe comme d'ailleurs le biango. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, le débat était ouvert entre maître Steve Kivuata, je le dis, c'est quelqu'un de très pertinent, de très intelligent à mon avis, bien sûr, et beaucoup partagé point de vue nanga. Naimba ki lelo mais na ko yamba de temps en temps tous ceux qui rendez-vous na ya robeta di solo ya ba il y a arrêt pardon bah décret ou bah signé à l'époque Togobeta li solo nango de façon objective mais aussi Togobeta na yé plus parce que là bah principe il y a manière de gouverner Mboka parce qu'on estime que soit tout ça les angles lotés l'obus on a toujours attaqué ma conséquence au lieu d'attaquer la cause là modèle l'obus tout ça la manière de penser le pouvoir. Donc, tu réfléchirais. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Steve. Merci d'avoir été retour. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH and the Cedric aussi. Tout ça, pour faire appel à Bino, nous sommes tous les gens qui ont vécu dans la carte, il y a UK, il y a Royaume-Uni seulement. Que tout ça, pour payer ça. Bah, service, protection et assurance. Tout ce assurance vie, life insurance, et ça que ce qui nous a dit, c'est que nous avons fait un mbongo. Mbongo, bah, nous avons fait un mbongo, et ça couvrir l'enterrement, et nous avons fait un héritage, na bah, na yo. Et en même temps, nous avons fait un crédit, et nous crédit et nous avons fait un mbongo. Na yo. Tout ça, ce sont des autres, bah, living costs. Living cost est un produit oyo, ce qui est à Beli à Zanandaku, au salaka plus de 20 heures. Yaka, ce qui Beli assurance à Kofuta Yombongo pendant que Zanandaku est au salaté. Et nous avons aussi building and content. Ce que Zanandaku na yo bien au Futelaka, on doit protéger Ndaku na yo, de Kofuta yo. Tous les sources sont autres, mais critical illness, assurance maladie. Tango Moutou, aux Alisousou, la problème à santé, au Beli, sérieusement. L'assurance te paye. Tu as un témoignage de Bélé, Moutoyo, à Futami, parce que Bélé m'a dit critique. Naza juste na besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, où on a eu l'assurance à Chilaza Kosala. Tango, le cas me zui, biso, et que maman sentait dérangée. Maman, bazana droit à Futaye autant. Réalité, c'est que ba honora parole na bango, pe ba pesa mi solo, et singela ki par rapport na oye biso tozoa. Que za aventure te, et za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, cause la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Na
qui tombe.